et tout très bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour bien sûr une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un haul. Action! Comment vous dire que hier, coup de folie, il faisait beau. On n'avait rien à faire. J'ai dit à mes filles, go, on s'en va à Action. Vous savez que mon Action est à pratiquement une heure de route, donc 52 minutes. Je suis allée à celui qui est petit. Et tant pis, allez, on y va, on verra bien. Si on trouve des nouveautés, tant mieux pour nous. Si on ne trouve pas grand-chose, et bien tant pis. Ça nous aura fait une petite sortie. Donc, si tu as envie de voir ce que j'ai retrouvé, si j'ai retrouvé pas mal de petites choses ou pas, eh bien, je te dis... Alors comme d'habitude, les tarifs seront écrits juste en bas, voilà, parce que moi, je vous le répète, les tickets de chez Action sont très mal faits. Voilà, j'ai pas envie de chercher, je préfère des coupures au niveau du montage, mais je n'ai pas envie de m'embêter, donc tout simplement, les petits tarifs seront en bas. Je n'ai pas craqué mon slip, hein, comment te dire, le slip, la gaine, tout ce que tu veux. Je n'ai pas craqué, puisque j'étais partie pour vraiment certaines... chose que j'avais vu tourner sur YouTube sur les addicts Action qui ont la chance d'avoir Action près de chez elles. Et bien sûr, je n'ai pas retrouvé ce que je voulais. J'ai quand même retrouvé des petites choses. Comment t'es dit, t'arrives à Action pour acheter certaines petites choses, mais tu ressors avec beaucoup plus de choses que tu avais prévues. Première chose que j'ai acheté, il est assez grand. Donc ça, c'était une amie qui me l'avait pris, donc c'est pas... hier que je l'ai acheté, ça c'est une amie qui est montée à Action et je l'avais déjà pris une fois à Action, mais il était cassé au niveau quand je suis arrivée à la caisse, le monsieur me l'a fait remarquer, donc j'ai pris, vous savez, ces grands rangements comme ça, tu ne me vois plus, c'est pas grave, c'est ces grands rangements comme ça, voilà, qui sont super géniaux, qu'on vient mettre sous le lit, qui ont des roulettes, voilà, qui s'ouvrent en deux parties. Chez nous, chez Jiffy, Carrefour et tout ce que tu veux, ça coûte une blinde. Ça, on avait vu pratiquement les mêmes. C'était aux alentours de 11-12 euros. Là, vous verrez le prix, c'est vraiment pas cher. Même certaines décorations qu'on retrouve pratiquement à l'identique à Maison du Monde. Bien sûr, ce n'est pas du tout la même qualité. Faut pas se leurrer, les qualités de chez Maison du Monde et Action ne sont pas du tout les mêmes. Mais on retrouve quand même des... décoration qui s'y rapproche vraiment très fortement. On a quand même retrouvé quelques petites nouveautés. Ma fille s'est acheté ceci. Donc elle s'est acheté un renne. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il est en train de perdre toutes les perles qu'il a dessus. Il est juste magnifique. On l'a vraiment pas payé cher. Ça, je pense que vous retrouvez l'identique à Maison du Monde et que ça doit coûter la peau des fesses. Donc voilà, donc elle s'est pris un petit cerf et dessus, donc il y a plein de petites perles comme des petits sequins qui sont collés dessus. Et malheureusement, il en a déjà perdu pas mal parce qu'on n'a pas fait attention. Mais voilà, c'est pas bien grave pour le prix. Et je crois que vous l'aviez aussi en argenté. Qu'est-ce qu'on a acheté? J'ai acheté un petit livre comme ceci de Noël pour Maëlia. C'est Maëlia qui l'a vu et elle veut faire du coloriage en ce moment. D'ailleurs, pour Noël, on va lui acheter un grand bureau. Et donc dedans, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont vraiment pas chers. Tout ce qui est coloriage, gommettes, chez Action, ces styles de livres sont vraiment pas chers. Vous allez voir combien je l'ai payé. À savoir qu'au centre culturel, ces styles de livres sont beaucoup plus chers. Et pour l'utilisation que font les enfants de 2 à 5, 6 ans, ils en ont largement assez. Donc ça, très très contente de l'avoir acheté. Et puis en plus, il est pas mal fourni, quoi. Il y a pas mal de pages pour le prix. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté donc deux petits Serpas comme ceci. Parce que Maëlia est fan du Peppa Pig, voilà, mais elle commence à grandir et donc elle s'est dirigée vers Mickey et Minnie. Et comment vous dire que je l'écouterai, elle serait habillée de la tête aux pieds Minnie. On n'en est pas loin, mais bon. Donc là, c'est Laura qui les a vus, donc deux petits serre-têtes Minnie. Ils sont juste trop trop beaux. D'ailleurs, je vais en mettre un sur la tête. Donc ma fille en a acheté un pour elle. Et bien sûr, on en a pris un
pour Maëlia. Continue, je prends au pif. Donc on a acheté des petites étiquettes comme ceci. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Maëlia l'a vu et l'a mis direct dans le chariot. Voilà, je ne sais même pas à quoi ça sert. J'ai voulu le reposer, mais Laura m'a dit non maman, prends-le parce que voilà, on va s'amuser à faire du petit collage sur des papiers de canson de couleur et on peut faire quelque chose de très très sympa. Donc voilà, étant donné que c'est pas cher à Action, voilà, je lui ai pris, on verra bien ce qu'elle va en faire. Voilà, donc des petites étiquettes ou des cartes, il y a écrit Disney. Il y en a 12. J'ai acheté donc deux petites cartes postales parce qu'elles sont vraiment pas chères à Action. J'en avais déjà acheté deux pour l'anniversaire de ma nièce et de mon neveu. Et donc là, il y a encore deux anniversaires qui arrivent au mois de novembre. Donc j'ai acheté deux petites cartes comme ceci. Voilà, pour souhaiter un bon anniversaire. Continue dans le Mickey. On a acheté une petite gourde comme ceci, Mickey. Alors, elle a plein de verres Mickey Mini. Mais bien sûr, il y avait ceci. Et elle a voulu. Alors, je l'ai pris parce que c'était vraiment pas cher. Parce que ça aurait été très très cher, je ne l'aurais pas acheté. Donc, c'est une petite gourde, tout simplement. Voilà. Rien de plus simple. Vous avez d'autres héros. Il y avait Pas de Patrouille. Il y en avait d'autres. Il y avait les princesses. Il y avait Minnie. Il y avait Mickey. Bien sûr. On est parti sur Mickey. Voilà, c'est tombé. Ce n'était pas grave. Heureusement que c'est du plastique. Continue. On a acheté ceci. Alors ça, je pense que ce n'est pas une nouveauté. Je pense que c'était déjà l'année dernière. Donc, c'est des petits kits comme ça, création. Alors, vous aviez l'étoile, vous aviez le sapin. Nous, on a pris le sapin. Donc, c'est un petit kit tout simplement à faire. Donc, il y a tout l'intérieur. Vous avez même les guirlandes avec les petites lumières. Il n'y a que les piles qui ne sont pas fournies. Je ne sais pas si à l'intérieur, il y a le décotape et tout. Je ne sais pas du tout. On verra bien, mais ça, c'est pareil. On ne va pas payer cher. Et vous aviez aussi les boules de Noël et vous aviez aussi les petites peluches à remplir qui étaient super jolies. Ensuite, j'ai pris ceci. Voilà, donc ça c'est pour Laura. Pareil, ça c'est pas une nouveauté, ça fait longtemps qu'il les a sortis. Et il les a sortis en plusieurs formats. Donc vous l'avez en toute petite, ce qu'on a pris, et vous l'avez en grande. Vous aviez les petites lightbox. Ou les grandes comme ceci. Et j'ai hésité, il y avait aussi les lettres qu'on vient glisser dans la lightbox qui étaient de couleur, mais après coup je les ai pas pris et maintenant je regrette. Tant pis, si au mois de décembre je les vois, je les prendrai. Donc c'est tout simplement une lightbox où on vient écrire avec un stylo tableau et je pense qu'il faut aussi des piles et ça vient s'allumer. Donc on verra ce que ça vaut. Mais ça, c'était vraiment pas cher non plus. J'ai pris deux petites boissons comme ceci. Donc, il en reste une. On a pris deux Orangina parce qu'on avait très très soif. Voilà. Et on a pris aussi des petits Pringles. Tout petits comme ça, 0,69 centimes qu'on a mangé. Qu'elles ont mangé dans la voiture. J'ai pris donc ceci parce que ça, je l'ai vu tourner sur une youtubeuse qui disait que voilà, c'était complètement le dupe de la grande marque. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, je n'ai pas le nom. J'essaierai de vous trouver la petite photo que moi je prends tout le temps, qui coûte 5 ou 6 euros, tout dépend de la couleur que vous prenez. Moi je sais que je prends toujours le bleu ou le rose, et là ils sont à 2 euros et des poussières. J'ai senti il y avait le bleu et il y avait le rose, donc je me suis dit pour essayer je vais en prendre un. Et quand j'étais sur la route je me suis dit mince, tu aurais dû en prendre deux parce que à tous les coups que tu vas aimer. Et après, tu les retrouveras pas. Donc, j'ai pris le rose qui est aux fleurs. Et franchement, ils sentent super bon. Mais par contre, les petites billes sont toutes petites comparées à la marque qui sont beaucoup plus grosses. Mais on va voir si le linge sent bon avec ceci ou pas. J'ai repris mes chouchous, mais là, je l'ai pris en bleu. Donc, j'ai pris le petit nettoyant pour salle de bain, donc bergamote jasmine. Je crois que celui-ci je l'aimais bien, je sais plus, je sais qu'il y en a un que j'aimais pas trop, donc j'ai pris celui pour changer un petit peu. Laura m'a dit ouais tu prends toujours le rose maman, donc j'ai pris le bleu comme ceci. J'ai pris
Je crois que c'est une petite nouveauté, ça. Donc, on a pris une petite bougie LED comme ceci. Donc, bien sûr, il faut mettre les piles. Et quand on l'allume, voilà, ça fait une petite lumière. Donc, Laura voulait s'acheter une bougie, mais j'étais pas pour une bougie. Parce que, étant donné que sa sœur va énormément dans sa chambre. Donc, on est parti sur une petite bougie comme ceci, LED. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On va voir, on va mettre les piles. Mais en tout cas, je les trouve très très jolies. Vous les avez en toute petite et vous les aviez en beaucoup plus grande. Ensuite, j'ai acheté un petit parfum comme ceci. Voilà. Donc, l'année dernière, elle s'en est acheté deux, mais pas la même gamme. Elle les avait adorées. Et là, on a pris celui-ci. Donc, il n'y avait pas les testeurs pour pouvoir sentir. Elle l'a pris au Pisanas. Et donc, elle a pris celui-ci. On verra bien s'il sent bon ou pas, puisque ben, l'autre, elle a pratiquement fini. Bon, ils sont vraiment pas chers et pour Laura, c'est largement suffisant. J'ai acheté ce petit contenant comme ceci parce que je l'ai vu tourner sur les addicts de chez Action et ça me faisait beaucoup penser à ceux de chez Sephora. J'en ai deux qui sont terminés. Je les remplis avec des liquides qu'on achète sur Leclerc, Carrefour, qu'on vient tout simplement remplir. Et celui-ci, j'avais bien envie de tester. Donc vous l'aviez en bleu et vous l'aviez en rose. Et moi, j'ai préféré l'odeur du bleu. Voilà, donc ça c'est pareil, pas cher. Une fois que c'est vide, voilà, on peut les re-remplir et c'est très très sympa en décoration à mettre dans la salle de bain. Mais moi, il m'en fallait un pour au coin de ma cuisine quand j'ai du monde ou lieu qui vient dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, comment vous dire que Maïa était super contente. Voilà. Donc, je vous avais présenté ça dans le haul du mois dernier, je crois. J'en avais acheté trois roses comme ceci. Donc, j'avais acheté pour tester parce que ma fille était tombée amoureuse des boules de bain et de cela. Et on a testé cela. Comment vous dire qu'elle en est tombée amoureuse? Elle les préfère même aux autres parce que cela, quand vous les mettez, ça fait des bulles. Voilà. Donc, on a pris un rose et un vert parce que la dernière fois, j'en ai pris trois roses. Et quand on s'est dit avec Laura, pourquoi pas tester celui de garçon, mais voilà, ça fera vert et rose. Elle testera les deux couleurs. Par contre, je trouve que c'est un peu excessif pour ce que c'est. Bah, venant de chez Action, je trouve que 0,99 centimes, je crois, ça fait très très cher. Et ensuite, bien sûr, je lui ai acheté celui-ci puisqu'on me l'avait offert et qu'elle avait beaucoup aimé. Pareil, je trouve que c'est pas donné, surtout quand ça vient de chez Action. Et on l'a pris en couleur rouge. C'est des petits cristaux de bain qui colorent l'eau. Voilà. Et les enfants adorent. En tout cas, moi, Maëlia, elle kiffe. J'ai acheté ceci. Donc ça, pareil, on me l'avait offert. C'est une éponge Conjac. Voilà. Elles sont vraiment pas chères chez Action. J'en ai une, mais qui est un peu vieille. Et trop, trop contente. La dernière fois, je ne l'ai pas retrouvée. Là, je les ai vues. J'en ai pris une. Donc elles font super bien leur job. Moi, j'en suis très très contente. J'ai pris une petite brosse comme ceci puisque j'en avais acheté une la dernière fois dans mon haul et que elle est super bien. Voilà, elle se casse pas, elle démêle très très bien les cheveux et bien sûr, j'en ai acheté qu'une. Donc Maïa était jalouse. On a repris une. Elle coûte vraiment pas cher, elle coûte 0,89 centimes, mais elles sont top. Voilà, elle démêle bien les cheveux. J'en suis très contente. Trois petites nouveautés. Donc, j'ai retrouvé ceci. Donc, j'étais partie pour trouver les kits crackers que avait montré une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui est Ce Rêve Bleu, qui fait énormément de haul Action, qui vous montre toutes les nouveautés qu'on peut retrouver chez Action. Et en l'occurrence, j'étais partie pour ça et des nouveautés make-up. Donc, en l'occurrence, j'ai trouvé que celui-ci. Voilà. Alors, je pense que c'est une nouveauté parce que je n'ai pas vu tourner ce kit dans les addicts Action et j'ai retrouvé celui-ci. C'est la même marque des crackers qu'elle avait montré. Et là, on a trois petits contenants en boule de Noël. Je trouvais ça trop trop joli. Donc, on a une crème de douche, on a une lotion corporelle et on a un gommage pour le corps. Chacun font quand même 75 millilitres. Donc, le contenant est très très joli. Voilà, le packaging aussi. C'est de la marque Miracle pour offrir. Ça sera très très sympa.
Et ensuite, j'ai retrouvé quand même deux petites nouveautés au rayon make-up. Alors, comment vous dire que rayon make-up, il y avait pas mal de choses. Voilà. Mais la chose que je voulais n'y était pas, bien sûr. Hein, comment te dire que je montais pour acheter ceci que j'ai reçu dans le swap avec Fanny, qui est juste une tuerie parce qu'il y avait un pinceau que je n'arrivais pas à avoir à fond de teint. Et avec ce produit, il devient tout blanc. Donc, je me suis dit, si tu le retrouves, tu vas l'acheter en 4 ou 5 fois puisque ce produit coûte 0,89 centimes. Il n'y en avait aucun. J'ai appelé ma sœur et elle va essayer de voir si elle en a dans son action. Et si elle arrive à m'en acheter, ben, elle va m'en prendre 4 que j'aurai en stock parce que c'est une tuerie. Si vous les voyez, action, prenez-les parce que ça marche super bien. Il y avait plein de petites nouveautés que je n'ai pas achetées niveau make-up. Pourquoi acheter du make-up pour en faire un crash test? Et puis ensuite, je sais que je ne vais pas trop l'utiliser. Il y avait les boîtes à lipstick avec les petits lipsticks. La boîte est super sympa. 4,99€. J'arrête de vous trouver une petite photo si je peux. C'est très très dur de vous retrouver les photos sur Action et de les screener. Il y avait donc les dernières petites palettes que moi, on m'a déjà offertes pour, lors d'un swap. Et il y avait d'autres petites choses que je n'ai pas voulu acheter parce que ça ne me disait pas trop. Tout simplement, les deux petites choses que j'ai achetées. Donc j'ai acheté cette petite palette. Alors il y avait l'autre aussi où c'était uniquement des highlighters mais qui était un peu trop flashy à mon goût. J'ai acheté ceci. Donc ça c'est une nouveauté. C'est une palette tout simplement de la marque Misfit. De la marque Misfit. Donc je vais l'ouvrir, on va la swatcher. La petite palette se compose comme ceci. Et vous avez donc deux highlighters et vous avez quatre fards à paupières. Donc on va swatcher, comme ça c'est fait, que c'était super bien pigmenté, effectivement c'est très bien pigmenté. À voir maintenant une fois appliqué sur le visage. Et là je vais vous faire le swatch des quatre fards à paupières. Voilà, qui sont très très lumineux. Voilà, je pense que tous les fards qui sont à l'intérieur, on peut s'en servir comme highlighter. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, pour mettre juste des points de lumière en coin interne, sur le bout du nez, sur l'arc du cupidon. Donc, très très bien pigmenté. Franchement, vous pouvez y aller parce qu'elle est vraiment pas chère. Le dernier produit que j'ai acheté, donc c'est une nouveauté aussi, c'est un lipstick où à l'intérieur, c'est en forme de cœur et à l'intérieur du rouge à lèvres, vous avez un petit contenant blanc. Donc pareil, je vais le swatcher parce que je vous en ferai pas une vidéo spéciale crash test. Le rouge à lèvres se présente comme ceci, super packaging avec forme de cœur. Et le rouge à lèvres est comme ceci. Donc vous l'aviez en rose super flashy, moi je ne l'ai pas pris. Et c'est ma fille qui a trouvé celui-ci qui est un joli marron. Et à l'intérieur vous avez le blanc parce qu'il y a une crème hydratante. Mais j'ai vu plusieurs tutos où ça ne fait pas trop son job. Donc on va voir. Mais moi la couleur me plaisait beaucoup. Donc c'est un joli marronné. Ceci. Et ça, normalement ça doit faire un effet marbré. Qu'on voit ici, on voit que c'est beaucoup plus foncé et plus clair, mais il faut passer qu'un passage. Si vous passez plusieurs fois, ben vous n'aurez plus l'effet marbré, puisque là on voit que il n'y a plus l'effet de blanc au milieu. Donc pour le prix, hein, voilà, le packaging est super joli. C'est qu'une couleur que je porterai très facilement. Donc, plutôt pas mal. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager. Et si tu es nouveau ou nouvelle et que tu viens de tomber sur cette vidéo, n'hésitez pas à t'abonner. C'est juste ici. Et de bien activer les cloches pour être notifié de toutes les vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Sur ce grand soleil aujourd'hui, mais il fait quand même un petit peu froid. Je vous laisse et je vous fais des millions et des milliers de bisous. Ciao, ciao.